Ah, me voilà. Bonjour. C'est pour moi tout le matin. Je suis encore un peu dans le jet lag avec mon voyage de Bali. Et voilà, tu vois, je sors fraîchement de la douche et je n'ai même pas encore bu mon café. Attends, je vais boire. En fait, je me suis levée ce matin avec cette inspiration. Je ne sais pas si tu connais ça, une fois qu'on est très créatif, ça ne peut pas attendre. Il faut que je me lève, il faut que je l'écrive. Ou bien alors, cette fois-ci, je vais le mettre sur ma page Facebook. Comme tu sais, probablement, puisque j'ai partagé pas mal de choses, j'ai fait un voyage à Bali. J'avais pas prévu que ce soit une retraite. Je suis simplement allée passer du temps avec mon fils, qui est depuis 1 an et demi en Australie et qui passait à Bali pendant quelques temps maintenant. Et donc, pour moi, l'occasion de le voir, sans doute, aller en Australie. Donc, pour moi, ce n'était pas prévu que ce soit une retraite. Mais en réalité, quand je suis revenue, maintenant, après 2 semaines, je me rends compte que ça a été vraiment un énorme changement, un alignement avec quelque chose qui me manquait ici. Et cet impact de être immergé dans quelque chose, une ambiance qui règne, une pratique qui est pratiquée par tous les gens autour et qui a imbibé quelque part, je dirais, à Bali, cette terre, parce que les Balinais, c'est un peuple qui vont faire des offrandes à longueur de journée, je ne sais pas combien, minimum 3 fois par jour. Tu peux aller manger dans un restaurant et tu vas avoir la serveuse, moi je pense que j'ai partagé un petit film comme ça ici, qui va faire une offrande qui est un vrai chef-d'œuvre et qui va se mettre là en train de prier. Et pas seulement 3 secondes, elle va se mettre là oui, dans cet état. Qui semble vraiment un état de prière, un état un peu second, un état connecté à quelque chose de vraiment très centré, de très tranquille et de très en paix. Et devant cette offrande, et je peux te dire que mon repas ne s'est pas passé de la même manière. Et là, tout le peuple participe à ça. À Bali, tu vas avoir un hôtel et ton lit, tu vas avoir 3 petites fleurs. Tu vas à l'hôtel, au restaurant, et on va te mettre une petite fleur, une petite orchidée sur l'oreille. Tu vas te trouver devant, même à Kuta, qui est une ville tout à fait touristique et où on pourrait croire que c'est comme n'importe quelle ville en Europe ou en Occident, n'importe dans le monde, où c'est vraiment beaucoup de stress et beaucoup d'activités. Et ben même là, devant tout chaque magasin, tu vas trouver une offrande. Et tu vas trouver l'offrande du matin, peut-être qui est déjà un peu mangée par les oiseaux ou les gens qui ont marché dessus, mais tu vas en trouver 3 le soir. Donc, c'est une pratique qui est omniprésente. Et pour moi, la magie de Bali, elle tient exactement à cela, à cette conscience de ce peuple et cette connexion de ce peuple à quelque chose de plus profond, de plus puissant. Et quand je suis revenue de Bali, je me suis dit, Gudrun, toi, tu as envie de continuer à vivre ça. Et donc, à faire en sorte que déjà ma maison ici, je vais la transformer, ou je l'ai commencé, et aussi de travailler avec vous, avec toi, de cette manière-là, à t'offrir un peu de ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu là-bas et que je ne veux surtout pas perdre. Comme tu sais, je travaille déjà sur la connexion au féminin sacré, mais à Bali, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées à moi, qui sont d'un niveau vraiment supérieur. Et cette nuit, donc, comme je suis dans le jet lag, j'écoute un peu des audios, des podcasts, des méditations guidées, et je suis tombée sur une méditation, enfin un podcast d'une personne qui travaille avec ses clients en leur offrant une journée entière, donc une journée vie. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça qui manque chez moi. Donc aujourd'hui, voilà, tu es la première à l'entendre, tu vois, je suis encore même pas séchée de la douche, à l'entendre. Je vais offrir des journées VIP, cette possibilité de venir ici et de faire une retraite ensemble avec moi. Et dans cette retraite, avec tout ce que je sais et tout ce que je peux t'offrir, je peux te dire que tu vas pouvoir vraiment sortir de ton quotidien, sortir de ta manière qui est omniprésente de penser et de te ressentir, sortir de ton environnement et venir ici. Et on va te recharger en énergie, on va enlever, faire un nettoyage si tu veux, et vraiment t'imbiber de quelque chose de totalement nouveau. Et
tu vas sentir une telle différence. Une journée comme ça ne peut faire autre chose que de te donner, de te faire ce voyage. Oui, ce ne sera pas un voyage à Bali pendant 14 jours, parce que voilà la différence. Moi, à Bali, j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils, on a voyagé. Oui, tu vois, c'était une ambiance, mais ici, ce que moi, je vais t'offrir dans cette journée VIP, c'est de vraiment travailler en conscience, ensemble, d'une manière à ce que tu fasses. Tu vois, tu as déjà entendu ça, ce saut quantique. Qu'est-ce que c'est ce saut quantique? Un saut quantique, enfin, mon entendement, on ne parle de saut quantique, c'est que point de vue énergie, tu te trouves à un niveau là, disons. Donc, ce niveau, si tu n'es pas totalement heureuse, enthousiaste, épanouie, c'est un niveau où tu n'as pas envie de rester. Tu veux être ici. Mais comment tu vas faire, hein? L'ascension étant pénible, tu as l'impression que tu n'as même pas la force de te élever là où tu vois les gens que tu admires être. Un saut quantique, c'est que quand tout d'un coup, quelque chose à l'intérieur switch et quelque chose se met boum là-haut comme avec un ascenseur qui monte. Pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, tout est énergie. Vous voyez, tu peux faire un saut comme ça dans ce qui est un univers virtuel, je dirais un univers parallèle. Oui, tu ne vas pas pouvoir, évidemment, si je te dis, voilà, on va faire un petit test, fais-moi des pompages, et au début de la journée, tu en fais 10, et à la fin de la journée, je vais arriver à quand tu en fasses 50. Ben non, ce n'est pas ça ici. Mais vraiment sentir, c'est de l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui a switché, quelque chose qui est allé là-haut et qui va y rester pendant un petit temps. Et je vais te donner des pratiques, tout comme ce que moi j'expérimente maintenant, qui vont faire en sorte que tu as une telle envie de rester là-dedans, que tu vas pouvoir faire cet effort et cette pratique pour prolonger ce saut quantique. Oui, d'avoir une pratique que tu veux avoir tous les matins, par exemple, où boum, tu te mets là-haut. Et c'est ça. Ce qui est ma révélation de cette nuit, mon cadeau de t'offrir mon temps et pouvoir travailler ensemble avec moi et faire une retraite d'une journée avec moi pour pouvoir arriver tout de suite à un niveau vraiment supérieur à de ce que tu veux être, à ce que tu expérimentes pour le temps, pour le moment. Donc voilà, si cela t'intéresse de travailler avec moi de cette manière, tu vas être une des premières, tu auras des conditions totalement extraordinaires parce que, bon voilà, je veux lancer cela, j'ai envie d'offrir cela et voir cette magie se faire aussi dans ta vie. Et en une journée, on ne peut pas tout faire, c'est clair et net, mais je peux certainement te booster et faire en sorte que ça soit une journée magique et que cette magie reste présente dans ta vie et qu'elle est comme un joyau que tu peux chaque jour vénérer ou chaque jour nourrir pour que cette graine devienne un grand arbre sous lequel tu peux te reposer. Je te propose cela avec tout mon cœur et tout mon enthousiasme et c'est quelque chose d'extraordinaire que tu vas peut-être pas si facilement trouver. Tu sais, tu connais ma manière de travailler. Si tu n'as jamais travaillé encore avec moi, tu peux aller sur mon site web, voir les témoignages. Tu peux me contacter. On va parler ensemble. Je t'explique ce que j'ai l'intention de faire vraiment d'une manière individuelle, spécifiquement pour ta situation actuelle. On en parle, voir aussi si tu as envie de travailler avec moi ou pas, trouver le moment qui te convient où on peut prendre une journée de vacances. Je t'offre cela, j'espère que ça te parle, ça te touche. Contacte-moi, vraiment sans engagement, on en parle et après tu décides si tu veux faire cela. Et moi j'y serai à 100% et j'y mettrai toute mon énergie et tout mon savoir et tout mon enthousiasme, ça c'est garanti. Bien, je te souhaite une très belle journée. Pense à toi, prends le temps pour toi. Prends le temps pour t'aligner parce que quelque chose de merveilleux et de magique se passe tous les jours pour nous tous et toutes. Ok, bonne journée.